Vous savez, comme je vous ai toujours dit, Seydou Dalein Diallo, c'est un homme de paix. C'est un homme qui aime la Guinée. C'est un homme qui aime le peuple guinéen. Voilà pourquoi il est toujours victime dans ce pays. C'est à cause de sa gentillesse. C'est à cause de sa gentillesse. Si on se moque de lui. Si on l'insulte sur les réseaux sociaux, si on l'empêche de sortir dans ce pays, si on l'empêche de prendre le pouvoir, c'est à cause de sa gentillesse. Parce que d'autres opposants, si c'était d'autres opposants comme Alpha Condé ou Kassori comme d'autres, ils n'auraient pas accepté de subir ce que Seydou Dalein a subi dans ce pays. Vous, les RPGistes qui venez vomir sur Seydou Dalein Diallo, d'un coup vous pleurez. D'un coup, vous demandez pardon. D'un coup, vous êtes hypocrite. Malgré tout cela, Seydou Dalein a tout accepté dans ce pays. Vous pouvez tout dire sur Seydou Dalein Diallo. Tout. Sauf dire qu'il est méchant. Il n'est pas méchant. C'est un homme bien. C'est Nelson Mandela de la Guinée. Seydou Dalein Diallo. Même tous ceux qui ne plaisent pas. Qui ne plaît pas à ses militants, il force, il accepte pour plaire à tout le monde, pour faire plaisir à tous les Guinéens. Pour faire plaisir à tous les Guinéens, parce qu'il veut tout simplement le bonheur de tous les Guinéens. Oui. Mais vous n'êtes jamais content. Tout ce que vous aimez, c'est la haine, la méchanceté, l'hypocrisie. La division, c'est tout ce qui vous plaît dans ce pays. Oui, c'est tout ce qui vous plaît dans ce pays. Seydou Dalein Diallo, comme je vous ai toujours dit, il n'a jamais porté plainte contre Fatou Gnilloy ou son frère. C'est quelqu'un qui a travaillé avec leur papa, qui a toujours admiré leur papa, qui a toujours eu le respect pour leur papa et pour sa famille. Mais Fatou Gnilloy Diallo et son frère, ils ont trop abusé. Ils ont trop abusé sur cette famille. Trop, c'est trop. C'est ça qu'il faut comprendre. Avant d'être un politicien, c'était un être humain. Donc, il y a un moment, il faut arrêter. Quand tout le monde se foutait de la gueule d'Alpha Condé, quand tout le monde a insulté Alpha Condé, quand tout le monde était contre Alpha Condé a décidé de mettre tous les gens qui étaient contre lui en prison. Il a mis combien de personnes en prison pour rester au pouvoir? Il a tué combien de personnes pour rester au pouvoir? Est-ce que vous m'entendez bien? Le volume est bas, c'est ça? Le volume n'est pas bon. Vous m'entendez bien ou pas? Parce qu'on me dit le volume est bas. Ou c'est votre téléphone qui n'a pas de volume? On va voir si c'est moi qui va quitter ici, si c'est vous qui va se dégager. Parce qu'entre vous et moi, c'est moi qui peut vous bloquer sur la page. C'est bon là? C'est moi qui peux vous bloquer. Donc tellement que vous êtes gawa. Tellement que vous êtes des you-gosses, des dormeurs dans le salon, vous venez dire quitte ici. Je suis sur ma page, je suis devant mon téléphone. Toi, tu laisses ton projet, tu laisses ta vie, tu laisses ta famille, tu viens me dire moi, je quitte devant mon téléphone. C'est mon téléphone. Entre toi et moi, là, qui est dormeur dans le salon, qui est gawa, c'est toi. Donc, c'est moi qui peux te bloquer ici, c'est pas toi qui peux me bloquer. C'est bon comme ça le volume? Ok, ça va le volume. Ok. Donc, je vous dis, Seydou Dalein Diallo n'a jamais été contre cette famille. Comme je vous ai toujours dit, c'est les frères et les sœurs de Seydou Dalein Diallo qu'on a eu marre d'entendre leurs parents, leurs grands-parents de se faire insulter sur les réseaux sociaux. C'est eux qui ont porté plainte contre les Gnilloy. Ok. Donc, Seydou Dalein Diallo. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues chez lui. Vous, les RPG, vous êtes venus chez lui là-bas pour demander pardon. Comme c'est un homme de paix, il a accepté.
votre demande pardon. Donc, ne venez pas vomir sur lui. Parce que d'un coup, vous se transformez comme des victimes. D'un coup, vous venez pleurer pour demander pardon. Pardon, papa, kotosel le pardon. Et il vous pardonne malgré tout. Alpha Condé a tué combien de personnes pour rester au pouvoir? Vous avez demandé à Alpha Condé pardon d'arrêter? Non. Mais vous demandez celui d'aller pardon, lui il arrête. Et vous venez pleurer, vous dites quoi? Vous dites quoi? Nous, on accepte tout ce que c'est le Dalin décide. Nous, on accepte. Mais j'ai des conseils pour ses sœurs et ses frères. Les autres plaintes qui restent, je vous dis de ne pas retirer les autres plaintes. C'est le Dalin, c'est normal que lui, il retire tout ce qui a son nom là. Il faut qu'il retire. Parce que ce n'est pas lui qui demande qu'on porte plainte. Ce n'est pas lui qui est sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas lui qui voit tout ça. Moi, ce que je vous demande... Tout ce qui est au nom de Selou Dalé Diallo, il faut retirer. Parce que c'est quelqu'un qui veut le pouvoir, c'est quelqu'un qui veut la paix dans ce pays. Il faut retirer. Mais tout ce qui concerne ses sœurs et ses frères, si j'ai un conseil à vous donner, gardez les plaintes que vous avez contre Fatigné Louis Diallo. Parce que si vous abandonnez ces plaintes, si vous retirez ces plaintes et que Fatigné Louis Diallo sort de la Guinée, elle va vous pourrir la vie. Vous allez regretter d'avoir retiré ces plaintes. Et quand vous allez venir au tribunal, ils vont dire, mais vous n'avez pas voulu y aller jusqu'au bout, non? C'est pour cela, les Guinéens, là, on ne peut pas les aider. C'est pour cela, moi, je n'ai marre d'aider les gens, là. Je n'ai marre d'aider les Guinéens, parce qu'on ne peut pas vous aider. On va vous accompagner, on va vous accompagner jusqu'au bout d'un chemin. Et vous allez faire demi-tour, vous allez laisser la personne sur le chemin. Et vous, vous allez vous retourner. Moi, je laisse à cause de Dieu. Je laisse à cause de Dieu. On m'a demandé pardon. On m'a supplié. On m'a demandé de laisser. Comme je suis mère de famille, je suis père de famille. Donc moi, je laisse à cause de Dieu, à cause de telle personne. Moi, je laisse. Il faut laisser. Ils vont monter sur vos pieds jusqu'aux genoux là. Il faut laisser. Quand il y a la justice là, il faut aller jusqu'au bout. C'est le Dalin Diallo. C'est normal que lui, il retire sa plainte. C'est normal que lui, il retire tout ce qui a son nom. Je ne sais pas si c'est sa plainte ou pas, mais tout ce qui a son nom dans les plaintes, là, il faut qu'il retire. Mais vous, les sœurs et les frères, il faut garder vos plaintes contre Fatigné Louis Diallo. Pourquoi je vous dis ça? En cas où demain, il sort de la Guinée ou même en Guinée là-bas, qui décide de porter plainte contre celle d'Alain Diallo, ou qui décide de porter plainte contre vous, et cette plainte-là prouve que vous avez déjà porté plainte contre Fatigné Louis Diallo. OK? Ne retirez pas les autres plaintes. Ça, c'est une grosse bêtise de votre part. Si vous retirez les autres plaintes, vous allez regretter ça. Ça, je vous dis. Parce qu'elle manipule tout le monde. Qu'on retire les autres plaintes où il y a le nom de celle d'Alain Diallo, je peux comprendre, c'est tout à fait normal. Je vous dis, c'est tout à fait normal. Celle d'Alain Diallo ne peut pas prendre le pouvoir en sachant qu'il a envoyé une autre femme en prison. Non, c'est tout à fait normal. Donc, c'est normal. Les RPGistes, là, ils croient être malin plus que tout le monde. Ils croient être intelligents. En attendant, c'est eux qui font du mal aux Guinéens et c'est eux qui viennent pleurer demain. Pardon, pardon, pardon. Mais on vous pardonne. Selou Dalin Diallo n'a jamais été méchant avec vous. Au contraire, c'est vous qui avez été méchant avec Selou Dalin Diallo. Encore une fois, il prouve qu'il n'a jamais été méchant avec vous. Qui vous a toujours pardonné, qu'il a toujours accepté vos comportements. Ça, je vous dis. Donc, ne venez pas vomir sur nous. Ne venez pas vomir sur nous. On ne veut plus vous entendre insulter Selou Dalin Diallo. On ne veut plus vous entendre le critiquer. Parce que vous allez tout dire sur lui. Et après, c'est vous qui va se déplacer, aller jusqu'à dans sa maison pour dire « Maman, pardon. Papa, pardon. Il faut nous pardonner. Il faut ci, il faut ça. » Et il vous pardonne malgré tout. Et vous allez recommencer après. God so hulata yo hers. Yo hers. Mais BRPJ se behersata. Behersata. Quand ça joue de leur intérêt là. Behersata fiu. Ça je vous dis. Be jodo to be yenna selu dalen. Be critica selu dalen. Nyande oni be mapike o problème wadi woko. Kambe arata wula kadi. Mais non, pardon, pardon, pardon. C'est le dernier au pardon et puis il faut. C'est tout à fait normal, c'est un homme de paix. Moi, je respecte son choix. Franchement,
Je respecte sa décision. Mais vous, là, votre manque de respect, là, il faut envoyer ça chez vous. Laissez ce Loudalien Diallo tranquille. Il ne vous a rien fait pour mériter vos méchancetés. Il ne vous a rien fait. Il faut le foutre la paix. Si vous ne voulez pas voter pour lui, continuez dans vos combats ignorants là-bas. Mais laissez ce Loudalien Diallo en paix. Tout simplement, il ne vous a rien fait pour mériter vos injures, vos critiques, vos méchancetés, vos divisions. Il ne vous a rien fait. Laissez-le en paix. Si vous ne l'aimez pas, si vous ne voulez pas sa politique, continuez à soutenir votre papa qui est parti se soigner là-bas. Continuez à le soutenir là-bas. Mais pour lui, là, c'est déjà fini. C'est déjà fini. La prochaine fois, on va attendre Alpha Condé est déjà mort. Ça, je vous dis. La prochaine fois, là, on va attendre. On va entendre qu'il est déjà mort. Je vous dis, c'est fini pour lui, pour la Guinée, là. C'est terminé. La prochaine fois que vous allez entendre, là, Monsieur Alpha Condé, l'ex-président de la Guinée qu'on a créé, il est déjà mort. C'est foutu pour lui. C'est foutu. OK? À son âge, là, c'est foutu. Il ne va plus jamais revenir à Sékou Touré. Donc, ce n'est pas la peine de nous fatiguer matin, midi et soir ici. Papa Condé, Papa Frac, Papa ci, Papa ça. On en a marre de ça. Laissez ces Loudalien Diallo en paix. C'est ses sœurs qui ont porté plainte. Ceux qui sont en justice avec Fatou Nielui, ils n'ont qu'à continuer leur procédure. S'ils retournent là, vous allez les faire regretter d'avoir retiré cette plainte. S'ils retirent cette plainte-là, je vous jure, ils vont regretter d'avoir retiré cette plainte. Ça, je vous dis. Hein. Donc, plainte, on a dit à Dirabe, elle a dit c'est Loudalien Diallo. Les plaintes qu'on porte contre Béni et Loïdo sont retirées d'Ido. Hakuneni, Allah, on n'insaï de Mianda, on n'a On a tout à protéger de Ella Gisé Loudalien, on a famille. Donc, à Jogi, on plainte, on joge, on it, on. Parce que Fatou Nielui sont retirées des plaintes d'Ido, Fop, Django, moi, on porte des plaintes. Moi, on porte des Ella Gisé Loudalien plaintes. Goto Yaltata défendant. Ça, c'est un. Deuxièmement, si Haouri Hara, elle a dit que Loudalien Kobe retirane aux plaintes d'or, votre tau hara be falaka yaou de devant la justice, kam e Fatou Nielui. Si Fatou Nielui porte plainte, be yahay yes justice. Parce que si be convoquant ma be yahay, si be yahay li fi plainte ma, ben be yahay fi plainte Fatou Nielui en ka. Parce que ko il n'a que plainte no ke li din fop. Mais Dieu non son gardé di plainte di jogi don do contre Fatou Nielui et Minyamako. Enfin, mi haka yahao no holi il a lau il porte no plainte contre ben. Il a l'air no harcelé. Il a l'air elle a dit c'est Loudalien la preuve quand il est retiré parce qu'il arrive à la yude quand personnellement le gol lui dit bah ben mat donc ben mara fous contre ben en fait quoi mais on a haru ronki ko nene mo eko babe mo eko patirabe mo eko sorirabe mo ko famille mo fop yennete non eko koto mo on fop mo ron ko yennete non donc on ronki hari donc don do fop mudu no holli donc il faut aller jusqu'au bout des plaintes jido yahe jusqu'au bout yahe jusqu'au bout. Kodun don to wawa tan sovu den der o histoire. Son iti dundo. Hakune nye alla kone bi jute de won nin soye. Dundo kadimi fena. Si don fa la hap de a election jidi. Fek ya retiron plente jidi. Dundo ko aji moro. Me gote so fut ike onde ya jusko bu. Paske gine mbeben be anday be wale. Gine mbeben a walay de. Do ta be haka hakunde lawol. Be yitu to bawa be achi dama e problem. Kame be nan omi me achiri fi yalla. C'est bon, et la prochaine fois, quand on a des arrêts, on a des problèmes, Ara, il me dit une fois, deux fois, il y a des problèmes, mais il y a des cinémas, il y a des tombes là. Quand on a des problèmes, il y 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 a des problèmes, ata yo dike famima on fop abonnina e dewga manga fi utiro ba mabbe o do wadimi inne be politisien be ta goto warto fi mabbe woni politisien jo hombo woni wondo gauche wondo droite wondo devant wondo derrière wondo ka RPG wondo ka IFDG wondo ka hombo tigide ta goto warto fi politisien jo haye goto parce que ta meden adouta yimbe ben ha seda bacca maka tumbere lawol woni no hay menen be feministe be rawbe busno tomme walli totobe
men walli toto be men mi nodda do rewbe jodi be afrique har ko rewbe engagé be min lami do mari o problème do est ce que da way imade darto da walli to dalam on nana sista ben a vraiment me ronki robe do men do ta be haka tumbera la be ci dama e problème jamen be yittuto ben na be jenti ke mawbe mabbe ben be akiri sabu mawbe mabbe ben be akiri sabu alla be akiri sabu do no be ci dama e problème yidi tawa eh ala yimbe ben no dilam tawa la prochaine fois kadi ko kambe no data kadi wulli tago toujours dans le même problème mais harabe yejiti na do tino be haka tumbere lawo kambe be akima don be yittiti ke bawo ko an ga sacrifice aduna ma fop mo do fi soutenu golbe mais kambe be akima ka tumbere lawo be yittito bawo donc ce que j'ai à dire dans ça personnellement c'est le dalen dialo ko retire plainte quand je suis d'accord. Ok, parce que c'est un homme de paix, c'est quelqu'un qui veut le pouvoir dans ce pays. Ou à ta landa de l'âme, en même temps, haray mo sokude, debogo kade, c'est tout à fait normal. Mais jajira ma kobe, minira ma kobe, plainte kobe jokiko, yobe joku jusqu'au bout. Yobe joku jusqu'au bout. Komi, wou li randu non kade midu, andi non kofi yonu. Si be retiri plainte gidin fopu benin soye, parce que fati nye lwe nago do mardo yurmende. Nago do mardo pitié. O décidé au bon life c'est le dalen giallo donc ko dun don kadi woni sécurité mon ko dun don mari don preuve on ka wu jangwa extérieur de la Guinée si problème no wodi don jogi au moins ko présente yeso devant justice on ordre debbo on porte une plainte contre Marco on SAIP gidi fop yo accu hino do preuve on imo absolu don mais son il ne retire il faut si don fa la retirer ko hebo do wo kadi ara ko onon dabbi retirer OK. So retiré do non RPG be be ara be wada on ko be fala ko et puis en même temps be jiwnda na ka de der don don parce que on yejjite haare be darti be fop modou no soutenir do moi personnellement je don fala ton jento la personnellement je don fala ton jento la mais jento o moy engagé be ben ka modon don wonbe lutte de fi mon be wonbe maide be wara be fop modou hande sura parce que no wodi be o famille nielo do fop modou no wodi quand même won be hono fati nyelo no woni sabu quand même yimbe busu yobe ware en der din quartier ji don no wodi hande wali be ka berde sabu nyelo on fami sabu o fami nyelo donc hande son yinni ono yejjitay dun do fop mudon fetjo alors que warbe ben don be fop mudon no ka ya son lando ta ko justice fi ben don koni min nata editi ben ta goto warta no politicien jo hay e goto parce que kala maydo fi politicien jo hare ko kanko perdi on fami. Donc quand la maïdo fi politicien jo woni hombo tigide hare ko kanko perdi hare na bon exemple won don hollu de yimbe be donc trop c'est trop si hewti anoku goton si do woni contre injustice hole onon kadi justice acte justice on wada golle de mais justice on fuddo to ton aron stopembe inno no arrêter c'est bon menen joni men firti ko dun do kon no justice on wawata wadir de golle mabbe de donc do a obliger de justice on yobe wadu golle mabbe de si be fuddi ke ton onon yilti ke baw on sait le kon no kambe wadi ta golle mabbe de jusqu'au bout aron ala be wallitade aron ala wallitade justice on haron jonna woni exemple fana do way yalto wada on la même chose donc wattane yila ko on wadde ko wattane yila. Min conseil comme il n'attend qu'on c'est le dalen ko retire plainte ma kon kon ko tout à fait normal c'est auri arade ko kanko wadi c'est auri araka ka inde ma ko wadi c'est tout à fait normal parce que o wawata landa de pouvoir on en même temps hara sabu ma ko debbo gono soka mais ono yimbe ma ko ben wono be ben baaw ton porte be ben plainte on doit ka retirer de plainte ça je vous dis on doit ka retirer goto fala ka fatu nyelo yaw kaso mais ko sécurité molana do woni don côté justice son hande ka feundi don don on plainte mo jogi don don jogi e mo don son retiri mo ninso yedo mare no mande to don on ninso yedo mimi woli tata fi dun do hande kadi mais son retiri o plainte mi wondrangi alla di plainte hedditidi mi prometi mi wondrangi alla fatu nyelo el nora aucun pitié pour vous o yurmeta ke on hande o yurmeta haraw jonni mo lawo dum udditani mo lawo joni di plainte di retiri donc quand ko joni yo udditu plainte di makodi c'est tout quand ko joni yo porte plainte di makodi ko no défendir ton horo mo yitt to baa ton porte no mo plainte est-ce qu'on yitt to baa ton porte no mo plainte on yitt to ta ko baa ton porte no mo plainte jo non se mo do apporte de plainte yo porte plainte horo plainte di porte no don di parce que ko non a di porte de plainte ha ka ya ha wo ko no woni victime ko non a di porte de plainte jo non so retiri dun do kanko aran uditani mo bafanga joni aran uditani mo laongo joni kanko yo aru o porta plainte on la nika kanko no na bayo jusqu'au bout donc sikure kanko retire
Est-ce que quand on retire, l'anda golon pardon ko yenni on ko imoronki, mais bien on a ido moji pouri aduna l'anfo. Yo de don e moji remondon, trop bon, trop con, on finit par regretter, tout simplement. Trop bon, trop con. En der la mukadi na innu go tuju mimi do doa moji de fala do e aru jawa haka hore an jodo kwa. On famika, donko sariano wodi, si got o bonni ya e jusko bu. Hande dare o ji on angado do hande, o bonni on angama. Kofi ono fatinye le ondo mfoke o yafane, par exemple. Haisi wana siti ya songoto. Me sari ya jini no doa aplikede, no keli di fop. Sari ya jini no doa aplikede. Me sonjori kono inni uluta yonde victime, hara yko dundo woni politiki mongo, hara yko dundo subido, ender politiki mongo. Hara yoni ulute woni go victime, me ton nabor goto kakamodo. Ton nabor goto kakombaji mongo. Ta goto joku on hara ender in problem jidon hara. Ta goto joku on, sa jo vudi, yimbe njelo no warta de fi moro. Yimbe njelo hande no jode de no jode de do muse wulla. Sabu ko wona do yenne de bimbi ekikire. Bimbi ekikire. Hmm? Tawa haron fop moro retira e plainte. On accio no miji to tako be yimbe yutir bewa. Mi wona in show. So subiki hande retiru go di plainte jidon. Hey, mi anda ko yim on wawata e kontu de yimbe njelo yitu to be ba o moro. Kwa tu sam tellement moneji. Tellement monnaie j'ai harré qu'au foot est mort là n'arrive quoi parce que j'ai l'impression que là wando lutande kala wando lutande wando wadande combat wadirai woni pour rien quoi en fait comme si kofi ma ko woni wadirande kofi il faut mais on n'est pas obligé de faire ça moi qui dis on en tout est politique mort on fout son gars nata bah yimbe mon ben wano bebe bah mon bah obé yimbe adhéré beka parti mort vous êtes zéro hande si don anda fop hande si do mari position do mari pouvoir ko sabu yimbe aderbe ben ka parti mo ko sabu yimbe soutenu be on ben ko sabu be yimbe yobu be carte je natu be der to hande no sensibiliser no darti contre ennemi be mon ben jonno onon kala decision onon innay ko dun do haajeta ko goddo musete maado ko goddo wullata ko goddo wadam tan retirer plainte jidim fop accio fatu nyelo e kanko ataka on joni ok o bonna e politiquement goto soutenu tan goto walleto ta kon ça je vous dis moƴƴere mon den hakkunde ni Allah ko moƴƴere mon den perdinta on trop bon trop con ko dun don perdinta on ko dun don perdinta on do se ko da alpha konde kanko kon bien sûr fi makko hande yani fi makko hande yani me ko huudaado bonnata fi barkindo huudaado bonnata fi barkindo faati ñeelo ko ade jo huudaado ko ade jo huudaado son permettimo yo aro manka o respect déjà ado retire de au plainte don doano accude taw haa présenté ka tribunal ñando présenté ka tribunal won de ñande de ci do retire go plainte means ko mi wonno avocat be ben ko so ari o présenté ke ka tribunal mi décide retire go plainte sino mi retirata tanke mo soudi mi jonna tam gonga ka woni do tanke mo soudi o présenté ke devant justice mi mi retirata plainte on fami me do hani mo soudi o respecta ha justice on tawa hara conseil don on retire ton plainte y a pas souci do yurme. Il y a pas de souci mais comme moi yere monde woné on empêche de l'amour ça je vous dis hein comme moi yere monde gentillesse mon on woné empêche de hande ko gentillesse elle a dit c'est l'udale be butti trop ibe dati trop ibe moji trop ko sabu moi yere monde woné on empêche de hande yo natu c'est écouter aussi que de politique kaka julir de wadete naka julir de kala fe he on pourra sarion. On pourra sarion, personne au-dessus de la loi. Si on de yehi haka saria, on doit attuer de saria, on va la gole ma bede. On fami? Non, comme il n'a ta jama, on ta goto retiro pour le moment. Fi Allah ne la de wote anabijo. Ta goto retiro ta oka parti ma be. Atien ha, jajirabe ma bebe, minirabe ma bebe, bendo be retira dia plenti. Si be retiri din don plenti, billai wallai talai, kartu ma be momi jogi do mi wada mo yeso modo mi wada live mi yetta sizo mi seka mo. Si la woli ta fi IFDG, si la woli ta fi ela di selu dalanta, tala okoran komi da, bata aduna ila akara. Me anata nanta goto retiro ka parti ma be. No. Min kote ko ela di selu dalan iti inda ma benden konton, dundo mi do fami. Dundo mi do fami mais be maruno ka di bon avocat billahi wallahi taala isko min present min isko mi wonno yeso o dossier do mi retirata no o plainte tant que fatinye lo presenta ki yeso justice mi retirata no o plainte do tant que fatinye lo presenta sida si la fan la population fop wola mi yalta ka di mi wola min na he kon won e lutande ko contre l'injustice
woni hay biddo an jiwo on so yaltido yenni baba goddo yenni do n'importe qui hay si hawri hada ko enemy joan min si hawri ara sarian no dwa rewde hore makko sarian rewwe hore makko be golli dale baba makko fiye bi makko be yennumo yennumo aybina mo bonna fi politique makko non ka baba mabbe respecte donc ela djise ludalen ko donc ambe kadi be dwa respecte de ela djise ludalen jalo on fami donc plaintant be retire trop tôt. Proto be do anoka mo retire de oler hay sibe tubanama ha jango hay sibe tubanama ha jango be do ka retire de o plainte be do ano yawde jusqu'au bout ha fa tenir le présent nyande woni o présent ke kasar yawo ben na bon écoutez moi j'enlève mon nom dessus Johnny ser bambe frère bambe ben o kadi ko nene mabbe yenna Johnny ben no be yaw jusqu'au bout ka lanni haray no don lanni mais be retire o ya présenta ki ka tribunal o don don ko hondun non konnu non konnu go kambe fop nyambe respecta justice on faut dire la vérité c'est pas comme ça qu'on fait les choses mais personnellement mimi monaki contre Eladji Sellou Dalé parce que c'est un homme de paix ko goddo fala do lamu goddo kadi sino fala goddo don do andude ko hondun fala don be wawa ta landa de lamu go be na be sokay debbo ko be hebi wo ko be hebi e wawa ta porte de plainte contre Fatunyelu e wawa ta porte de plainte contre Fatunyelu donc yo justice on kadie and une chose Fatunyelu jango si porte plainte be doit ka convoquer de Eladji Sellou Dalé Diallo si demain Fatunyelu porte plainte on doit pas convoquer Eladji Sellou Dalé Diallo parce qu'on sait tous que c'est une folle elle ment donc à partir du moment où vous acceptez qu'on retire la plainte si Fatunyelu porte plainte demain, vous ne devez plus accepter cette plainte. Déjà, une chose, si c'était le bon Saria chez nous, quand la plainte arrive au parquet, on ne doit plus retirer la plainte. Normalement, dans la vraie justice, la personne a le droit de porter plainte à la gendarmerie ou à la police. Mais à partir du moment où on transfère la plainte au parquet et que la plainte est arrivée au parquet, c'est trop tard maintenant de retirer la plainte. En tout cas, en Europe, ici, c'est ça. Tu as le droit de porter plainte à la gendarmerie, à la police nationale. Donc, tant que la plainte n'est pas arrivée au parquet, tu peux toujours aller retirer la plainte. Mais une fois que la plainte est arrivée au parquet, tu ne peux plus retirer la plainte. Tu ne peux plus parce que c'est arrivé au parquet là-bas. Donc, c'est arrivé devant le juge et le procureur. Maintenant, on a commencé l'enquête. Tu ne peux plus retirer la plainte. C'est avant que l'enquête commence. C'est avant que la plainte arrive au parquet. Et c'est là qu'on doit retirer la plainte. Une fois que c'est arrivé là-bas, il faut bien connaître aussi la justice. Il faut bien connaître comment les avocats là même peuvent accepter qu'on retire même la plainte. Donc, c'est que ce n'était même pas arrivé au parquet. Si c'était le vrai Saria, c'est même pas arrivé au parquet. Quand ça arrive devant le juge, devant le procureur, normalement, c'est à eux de décider si on retire la plainte ou pas. Ça aide de dire non, nous, on a le dossier. Vous avez le droit de retirer cette plainte pendant qu'il était à la gendarmerie ou à la police. Mais à partir du moment, moi, j'ai la plainte. Moi, on a le dossier dans le tribunal ici. Nous, on ouvre notre enquête. On ne va plus accepter qu'on retire la plainte. C'est quoi ça? Ça veut dire que c'est les gens qui décident. Si je vais porter plainte, je porte. Si je vais retirer, je peux retirer à tout moment. Si je vais t'envoyer en prison, je t'envoie en prison. Ça veut dire que le juge et le procureur, ils n'ont pas leur mot à dire. N'importe qui peut porter plainte et retirer à tout moment. C'est comme ça la justice chez nous. C'est comme ça? C'est comme ça? Même au Sénégal, là, Fatunyelu, où elle est là aujourd'hui en Guinée? Si c'était au Sénégal, vous croyez Fatunyelu même allait sortir là? Ça aurait longtemps que même qu'on aurait mis un mandat d'arrêt contre Fatunyelu. Dans toutes les frontières, elle serait déjà affichée partout. Je sais très bien. Elle serait déjà affichée partout. Mais en Guinée, là, pour le moment, on attend le 2 février. Le 2 février, pourquoi? Elle a le temps de quitter la Guinée. Moi, si c'était moi, Fatunyelu, j'ai le même le temps de quitter la Guinée. J'ai le temps de partir. Ah oui, j'ai le temps de partir. Même passer devant par le port, là, je prends un bateau, je traverse l'île, là. Je vais dans la forêt là-bas et puis j'attends un autre bateau là-bas. Elle a le temps de quitter la Guinée. Après, vous allez attendre qu'elle soit aux États-Unis ou en Europe ici.
ou dans d'autres pays pour mettre un mandat d'arrêt. Elle a le temps même de faire la chirurgie esthétique pour changer même son visage. Elle a le temps de faire la chirurgie esthétique, changer ses fesses, changer son corps, changer son visage, le temps que, avant que vous mettez l'arrêt. Mandat d'arrêt contre elle. Elle a le temps de rentrer même à la clinique, faire la chirurgie esthétique, changer son corps avant que vous mettez le mandat d'arrêt contre elle. C'est comme ça la justice chez nous là-bas, depuis le temps là. Depuis le temps là, il y a une fille là, elle a fait une bêtise là. On vient juste de l'arrêter. Elle là, quand on veut l'arrêter là, tout est possible. Là, on peut arrêter les gens vite fait. Mais comme c'est Fatunyele là, on prend le temps. Comme il y a des complices, il y a des complices. Il y a des complices. Si on retire la plainte là, je vais même accuser l'avocat de Selou d'Alain Diallo. Parce que je me demande qu'est-ce que Fatunyele faisait dans leur bureau là-bas. Qu'est-ce que Fatunyele faisait dans leur bureau là-bas? Pourquoi on n'a toujours pas arrêté Fatunyele? Hein? Où Fatunyele est caché chez ses avocats? Mais franchement, c'est comme ça la justice chez vous là-bas. Chez nous en Guinée, là, c'est comme ça qu'on fait les choses. C'est que vous ne voulez pas arrêter Fatunyele? Vous ne voulez pas? C'est tout? Il n'y a rien qui est compliqué dans ça. Le dossier peut arriver au parquet là-bas et puis n'importe qui peut venir retirer ça comme ça. Non, on peut porter plainte à tout moment et puis retirer à tout moment. Hein? Alors que c'est le date de jugement, il y a les dates de jugement qui sont fixées. On peut venir retirer ça comme ça. C'est comme ça la justice. Comment voulez-vous que les gens respectent la justice? Hein? Même quelqu'un qui n'est pas dans le métier connaît la procédure, sait comment les choses, on peut faire les choses. Si vous voyez aujourd'hui, Fatunyele, elle est cachée, c'est parce qu'elle sait manipuler la justice. C'est parce que n'importe qui peut manipuler la justice guinéenne. Ça, je vous dis. Si aujourd'hui, Fatunyele, elle se cache, deux jugements, elle n'est toujours pas présentée devant le juge. C'est parce qu'on peut jouer avec la justice guinéenne. C'est tout, parce que même eux, ils ne se respectent pas. Ils ne se respectent pas. Vous dites que vous allez faire ci, vous mettez des règles, mais vous n'appliquez pas les règles. Vous ne montrez pas exemple. Vous ne montrez pas exemple. Donc, Fatunyele là, qui est caché depuis je ne sais pas combien de temps. Hein? Et vous êtes là, vous la laissez dans son coin. Mais quand il s'agit des autres là, il n'y a pas de souci. Les autres là, on peut l'arrêter même le jour même. Le jour même, on peut l'arrêter. Mais Fatunyele là, depuis le temps, il faut l'envoyer la convocation déjà. La présenter le mandat d'amener. Elle a le temps de publier ça sur les réseaux sociaux, de prévenir. On prend le temps, on avertit. Et puis après, on vient. Quand elle n'est pas là, on a le temps aussi de la laisser sortir tranquillement, le temps d'aller se cacher. Hein? Et puis après, on a le temps aussi de programmer des jugements et puis la laisser le temps de sortir de Conakry. Et puis dire, bon, ben, quand tu auras fini de te cacher, il faut nous prévenir. On va mettre le mandat d'arrêt contre toi. Elle est déjà quitté la Guinée. Et vous allez mettre mandat d'arrêt contre qui, là? Contre qui? Contre quelqu'un qui est sorti déjà depuis un mois? Hein? Franchement, c'est ça la justice. Vous ne voulez pas juger cette affaire, c'est tout. Dites que vous ne voulez pas, on vous paye pour rien. C'est tout, les avocats, là, on vous paye pour rien. Vous ne voulez pas juger cette affaire. Et c'est ça qui est dommage. Mais si quelqu'un sort encore une fois insulter celui d'Alain Diallo, c'est vous qui va être le seul responsable. C'est vous qui va être responsable. Parce que ça veut dire que c'est vous qui a autorisé ça. C'est vous qui a ordonné ça. Il faut tenir la justice responsable. Si quelqu'un sort demain insulter, c'est le d'Alain Diallo. Si Fatunyele, partout où elle est dans le monde, demain elle sort et recommence ça. C'est la justice qui est responsable. Tout simplement. C'est la justice qui est responsable. C'est pas quelqu'un d'autre. Moi, je vous dis la vérité. Ça n'a qu'à vous plaire. Ok? N'avez qu'à vous fâcher. Je m'en fous. Je dis ce que je pense. C'est la vérité. C'est la vérité. Voilà. Mais bon, bref. Moi, personnellement, je comprends pourquoi lui, on a retiré son nom sur le dossier. Ça, sur ce côté-là, je suis compréhensible. Je comprends. Mais la famille, le reste de la famille, si vous retirez l'autre dossier, si vous retirez l'autre dossier, vous allez regretter ça. Tout le monde veut la paix dans ce pays. Mais pas dans le manque de respect. Tout le monde veut la paix dans ce pays. Mais quand il y a le foutaise dedans, là, il faut laisser la justice faire son travail. C'est tout. Laissez la justice faire son travail. Parce qu'ils sont annulés, il y a dossier. Fatunyele, il y a un dossier, 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 il
hara ko erreur mola na do wondo wadde dun do non mi fena sino fala no gente sino fala kadi woton gento wadde kala ko fala moi je vous dis la vérité tout simplement hara auditani be bafal kadi hara audit et puis faut kadi no hara prévenir on faut kadi hara prévenir min ko ko mo yan yon ko do non mi yewtata gina meme be jorbe wola ko no hande un itti inde elaji selu danende and there the plants jiro on côté donc guiné je goto wawata darade inna ko fotu selu danen ko fotu selu danen parce que inde makko ala to kanko retire plant makko ko wadano depuis 2019 kanko inde makko ne itama derto on fami donc voilà kanko inde makko ne itama derto mais beda ko beda be ala der politique mais nene mabbe babbe mabbe yennama wona dekan wadire doni on fami wona o gorko do ko o sibisi do ko hande ko sari yan jere don do fomo don pourquoi pas vous na ono e makko hoddi na ono e makko woni wadudu de politique donc c'est tout à fait normal yo yo jusqu'au bout contre makko mi wona ni on se retire au dossier deuxième jo hakune nyalla woni sa ay si avocat be mombe inni yo retire c'est que quand tu be fala ka wadde golle mabbe de non gasara be yo baba auto non mi fenanta changer avocat jet ton avocat international haray mi won naw no ko do mi no nomi marko mi yewta mo jere monde mo jero ha be yawo ko be do haray ko non dabbe parce que on wudi tanay mo woni bafa sari anko pour tout le monde non mi fenanta ko ono wadata goddo yawo goddo no yennu de on duubi tati no akizidon viol di no akizidon pijibus don ande don yaviti be yimbe wombe jonno de conseil di carrezo socio do wombe sensibiliser don sécurité di pression di do ala jour de hore gouvernement ala jour de hore justice si gota ala no wolu de fimo do réseaux sociaux don sécurité justice on wola no fimo wola ta no fimo mais plus me de wol de carrezo socio plus aduna la fop no ande de fimo ko ambo hersata si wona gouvernement et justice on wombe gère de lendi men ko men non hersata donc ton yavito be wombe sensibiliser de ka réseaux sociaux do woton jettirbe comme des cons quoi en fait quoi ko don sikude me mara sujet di go comme wola mimi do mara sujet di buimi do way arde do mi wola fi o violence fait aux femmes mi wola fi sexualité mi wola fi business mi wola fi pidi go no to mi c'est la fi politique carrément mais injustice ko woni fait de cons calé dans vela tana mais si mi arde do mi yoti pidi go no to bien sûr na mi communicant officiel mi anaka yobe de fi mummi imminaka fi mum me ko mi yewta ta ko mi yewta yimbe ndara belam be yidu belam be jentoto belam be kadi sa compte parce que ko mi yewti do wogo dun dombe jentoto si min ni ko dun do be jentoto par exemple en fami donc min ko mi anyana goto mais je dis la vérité mi yewta ta kadi fi wadango goddo plaisir mi yewta ta kadi fi e goddo yidan. Ce que j'ai à dire, c'est ma vérité. Que Moussa talent, que Marou, que Vela talent, qu'on coudon, non, mais y'a autre. Donc, son auditani, beba, fanga, n'importe qui, no, waï, arde, ya, wo. Ande, harek, mo, ere, monde, wo, n'y'on empêche, de yon lam. Erreur, mo, wadou, don, on, dal, le passé. Woton, wadou, tu, mo, hande, get. On n'est pas dans le temps de Alpha Condé. Oh, il nous, go, mi, ha, photo, mi, acte, y'a, don, don, ça, c'est au temps de Alpha Condé. Ok? C'est au temps de Alpha Condé. Au plainte, mon porte dans le temps de Alpha Condé. C'est normal, mais il n'y a eu retirement parce que c'est au temps de Alpha Condé. Mais, hande au plainte, mon porte dans le dos. Hande au plainte, mon porte dans le dos. En famille, au dos, c'est le mot. Ça, il colonne maman de Dumbuya. Acte justice, on va la gole ma belle. Point barre. Sinon, on perd à yimbe boussou ou ne bebarmo. On perd à yimbe boussou, on décevra yimbe boussou ou tire bebarmo. C'est pas normal. Yimbe ben no supporter on accepte pidi de fop mudo onon kadi ndare ko yimbe be woni subisu de konsabo modon onon kadi tout le monde veut la paix dans ce pays on veut tous la paix son yidun do kadno wadede mede inu de on yaye jusqu'au bout niveau justice on ko parce que ko paix on tigi fala yo on tigi no fala e but mais goddo no jodi réseaux sociaux no yennu de bimbi e kiki de no yennu de no wola tum fi moro no aybina no yenna tum imbe be hilno toy don dombe hilno ta ko fi vote be hilno ta ko fi programme politique be hilno ta ko fi réconciliation fi paix goto hilno ta ko fi moro imbe be jodo to wola di problème di Facebook tum on veut passer à autre chose
sensibiliser, parler de programmes politiques, de la transition, de autre chose, tout simplement. Mais c'est une yagitaï d'un fop mou de wolen fi beyen na be réseaux sociaux, wada bepi di kwala yida yarla ki réseaux sociaux, yodo yed don dira na tay clash di bimbe ki kide, in yagitaï sensibilisation, fi vote yidin, fi go ngo fi élection yidin, fi transition, fi kalako arweta yeso, ima be yagitaï, joken dimpi di don tout. Voilà, mais c'est bien dans le mot, il y a bien dans le bon nous, mais on a qu'on a gardé tes nannes. Et l'autre mot, il y a bon nous, tout. Et l'autre bon nous, il répare, tout. Il y a un mécanicien, il y a un bon nous, il répare, tout. Il y a un lanky, il répare, tout. Qu'on donne tout. Non, d'a pas ton pièce détachée. Non, d'a pas ton pièce détachée. Non, répare à gauche, à droite. Qu'on donne tout. Marche, ça. C'est pas comme ça les choses. C'est pas comme ça. Voilà, jodago inna accay ka juude Allah nyande ko juude Allah. C'est pas comme ça. Nyande ko juude Allah na dum jotta goddo der laamu wonno no so dari hande laami be ben fop lagine. Communautaire be ka ko yimbe yoro be ko yimbe sattu be noppi. Ko yimbe sattu be na fi Allah be de lamini be. Na parce que be yawde makka be hajjoya. Na be be sey ko toure yaade. Na parce que be yawde ka juulire be juula bimbi e kikide na be sey ko toure yaade na parce que be yawde haaju bimbi e kikide na be sey ko toure yaade na parce que be inni tirede a gauche a droite na be sey ko toure yaade be yawde pera e den nabo a gauche a droite na be sey ko toure yaade voilà mi wonna dum ko yimbe be darata haydi mpiji do be yeyi wo sai sino arrange be tout simplement be yeyi ender mpiji do wo sino arrange be kolone mamadi dumbe a wini tirama do depuis wari ka pouvoir wini tirama bi benjelo est-ce que o yeyi be mbibe hayo hajaka ono dal nene mabbe innugo yalla wurnu barkina si alla wurni alhamdulillah rabbil alamin si alla barkini si alla wurnali alhamdulillah rabbil alamin kanko hajaka kanko ko hande ko interest mo ko transition yimbe benno be jonnindira juude yimbe benno be jonnindira juude mais argo hande inna yahayda wada solidarité nene goto yaga baba gata yaga no wodi ko anini mo haras wona suga dim peje no wodi ko anini mo parce que mo ande so hinni ke dim peje don si o hinni ke dim peje do jodoto do habe taja hore makko de ara fi laamu gum kanko e laamu gum be seedi ara kanko fi laamu gum be seedi mi wonno no. Donc, politiquant, c'est très dangereux. Politiquant, on va t'envoyer toujours un derpige contre qui va d'attaquer. Maintenant, souvent, il nous go, on t'y mounye topige, il n'y a pas de kala, on t'y va d'attaquer. Bien sûr, paix, c'est très important. Un homme de paix, il n'y a pas plus qu'il a dit, c'est le dernier dialogue dans ce pays. Ça, je vous dis, ça, je suis. Il faut dire la vérité aussi. Go, mounye de bourri, il a dit, c'est le dernier dialogue quand il est demain, on a là. Mais c'est que be munye trop so yidi dubi do fop mouri be sonji ko parce que kadi be munye trop ibe munye trop bien sûr Nelson Mandela munye kadi dubi do fop mouri bien sûr mais ça Nelson Mandela et ça meden hande no certi don don on yi hande ko fejjata kon ka meden fi henda go lamgu il faut on tigi heba dole molanabe faut que on tigi forsa so on tigi forsa na manifestation jonnata goddo lamu hande na solidarité di pigi di wadata a gauche a droite yurmende a gauche a droite jonata goddo lamu il faut que on tigi sattina juude den seeda faut que on tigi sattina juude den seeda donc voilà toujours ko watta ngo yila en tout cas donc min ko minata yima ben tabe yaltuka parti mabbe to retiro pour le moment mi tori ko mi jeji on ta goto retiro pour le moment jonne be encore chance si be retire pigi den fodde dossier ji den fod ara don si yiwon yaltito yenni sele ta goto wo lay fous accide be mum c'est tout si be perdo yi ka election jara ko kambe da bi lanni c'est tout bin hara yande kadi goto yurma tan personnellement ça me fait pas pitié voilà c'est tout parce que hara be subi ke dun hara be préféré ke perdo go buri lutugo contre ennemi be mabbe ben jodotobe do aybina fi mabbe voilà bon na fi election ji mabbe ni y a pas de souci mais moi personnellement si l'enfant la lame gumin ko hasere ayenna tala mi warata ma de mi na kadi mi sokete mi mi wada tout possible fi ya ombo sombere mande ça c'est clair et net donc juste wol go fi don don andi non mi ndo jettu go yimbe ben après demain coupe et volume
Mindo, en tout cas, me donne de la solidarité. Na ya go jula ka julia de bimbe ki kire na bi go do lamu. Ça, c'est clair et net. Son dari han de lami be ben fop kamede. Communitaire be. Communitaire be satta no pi be. Yora hore be tout simplement. Oui, ka. Voilà, Alpha Condé. Et yi Alpha Condé golle makode. Hai so wona no militaire. O lutti contre lambe ben fop pou la Guinée. Et yi. Donc, toujours ko watango yi la, tout simplement. Voilà. Même si qu'il empêche celle dans les larmes, comment il remarque qu'on aime parce qu'il est trop gentil. Il est trop gentil. Il est trop gentil. Voilà. Trop gentil, hein? Mais d'être trop gentil, là, on finit par être trop bon, trop con. Ah oui, hein? On finit par être bonbon. Trop bon, là, on finit par être bonbon. Tout le monde peut nous soucier. Donc, il faut faire attention. Moi, je suis un peu plus jeune que moi. Je suis un peu plus jeune n'importe qui est mourant. Tout simplement. Ça, je vous dis. Moi, je suis un peu plus jeune. Tout simplement. Donc, voilà. Watangoyi là. Mais ce que j'ai à dire, les RP, juste qu'ils comprennent une chose. Ils ont supplié, ils ont demandé pardon. Le pardon a été accepté par le couple. D'Alain. Le pardon a été accepté par le couple d'Alain. Maintenant qu'ils ferment leur bouche, qu'ils arrêtent de s'attaquer à celui d'Alain Diallo, qu'ils ferment leur bouche, yo be ombu tiombe je m'appelou bu dede. Doy barde do hande kadi be attaque à celui d'Alain. Be lande que celui d'Alain pardon, celui d'Alain holli kambe na be goton kambe be yafoto. Pardon mabbe on. Celui d'Alain Diallo couple mabbe on accepté aduna lan fop yi. Aduna la fop yi. Mais maintenant qu'ils ferment leur bouche. Qu'ils ferment leur bouche. Parce qu'ils n'ont même pas honte. Ils n'ont même pas honte. Ils ont soutenu Fatou Niello dans les jonjures fatigués. Ils sont venus demander pardon. Le pardon a été accepté. À partir de maintenant, tout ce qu'on vous demande, c'est de respecter celui d'Alain Diallo et sa femme. De le respecter, de ne plus jamais l'insulter. Si Fatou Niello vient insulter une fois encore, c'est les enfants de la Guinée qui vont s'occuper de Fatou Niello Diallo. Ça, je vous dis. Hein. Ça, je vous dis. Hein. Parce que la justice, ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de faire leur travail. Donc, ça veut dire que c'est les autres qui vont s'occuper de cette fille-là. Voilà. Et dans ce cas-là, c'est la justice qui va être responsable. Parce que même où elle est là, elle est en danger. Elle est en danger. On s'amuse avec la justice comme on veut, comme ça. Jouer cache-cache comme ça avec la justice, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Quand la plainte est portée là, depuis même 2 ans, on peut retirer la plainte comme ça. Où est le parquet? Où est le juge? Où est le procureur? Normalement, quand ça arrive au parquet, on ne peut plus retirer. On ne peut plus. S'il y a une vraie justice dans ce pays, quand ça arrive au parquet là, on ne retire plus. On ne retire plus, c'est trop tard. France Bay, des fois, a envoyé la demande, le lien. Je ne peux pas te prendre là comme ça. Attends, on dit tout de bon. Mais qui tient Miami ou alors? Mais qu'on a quand? Moi, tu goûtes trop. Si c'est une façon de compliquer ça, ça c'est votre affaire. Moi, je vous dis la vérité. Je dis ce que je pense. Prenez ça comme vous voulez. Prenez ça comme vous voulez. Mais qu'on a quand même meilleur de temps. Mais là, il y a un fiaga. Il y a tiré l'un d'un fallir à l'un. Sinon, faire la guettirer, c'est compliqué ou c'est pas compliqué, là. Ça, c'est votre problème. Allez prendre de lui, prendre, là. Ça va guérir. Ici, demain, là, ça ira mieux. Mais je vous dis la vérité. OK? Mais, mince, comme mi retire une plainte, on va se présenter que Katerbina. Quand on me retire une plainte, n'a pas de présenter. Mi retire une, on se présenter que Katerbina. Donc, d'un côté, personnellement, que erreur, ben, wadi, mais bon, bref. Be retire be accepte retire go ado présente go katerbina na fous kambe be retire inde mabbe nda yaltinder ton hande kambe be tawaka nder ton goto wawata inde ko selu dalen ko selu dalen kambe be retire selu dalen wawata affronte de Fatou Niello le tribunal face à face wawata parce que kambe dido be nanda be yada enanda be yada une gamine mal polie comme ça un politicien comme selu dalen Diallo peut se mettre face de cette gamine là, face à face dans un tribunal, pour quoi faire? Pour se salir? Donc, qui retire son nom là-bas, qui laisse ses soeurs et ses frères gérer. Et ses avocats. Maintenant, c'est à eux de gérer. C'est à eux de gérer ça.
Celui d'Alain Diallo n'a rien à voir dans ça. Femme, tu n'as pas insulté ce loup, tu es aveugle, tu es sourde. Tu es sourde. Tiens, tu es sourde ou c'est quoi? 3 ans, elle est en train d'insulter ce loup, tu n'as pas entendu? Ou pendant qu'elle insultait ce loup, tu étais en train de te branler devant, c'est ça, devant ses lives. Tellement tu étais excité, tu n'as pas entendu ce qu'elle disait à ce loup. C'est ça? Hein? Tu n'as pas entendu ce qu'elle disait à ce loup? Elle a insulté ce loup fatigué pendant 3 ans. Toi, tu dis qu'elle n'a pas insulté ce loup, elle a juste accusé ce loup. Et les autres années, pendant qu'elle a insulté ce loup, tu étais en train de te branler devant ses vidéos, c'est ça? Et tu n'écoutais pas ce qu'elle disait, c'est ça? Tu étais sourde, tu étais aveugle, tu n'entendais pas n'importe quoi. Mais le Guinéen l'a oublié très vite. Ah oui, je n'ai rien à faire. En attendant, je suis plus heureuse que toi. Je vis mieux que toi. You gosse que tu es dormeur dans le salon. Hein? Je vous jure. You gosse qui sont là. Pour eux. Hein, connais-tu? Des vrais dormeurs dans le salon. Des vrais you gosse. Des vrais you gosse. Si je fais la retire de mes communes, mais on a contre aussi le dans les retirer ta in de ma connaître ton compte. Personnellement, France, mais attends, nous doute. Je peux pas t'appeler là, ça marche pas. Il faut que tu envoies le lien. Sans le lien, je peux pas t'appeler. Mais on a contre qu'on retire ta plainte compte. Personnellement, je suis pas contre du tout. Je suis pas contre qu'on retire. Mais aussi, ben la retire plainte, je m'appelle parce que moi, j'ai toujours dit que famille m'a comporté plainte. Si bien on retire, ce n'est pas normal. Parce qu'il y a des auditeurs, il y a des gens qui sont présents, ils déposent la plainte. Ils déposent la plainte, parce que nous, quand on compte, ils déposent la plainte. Ils ont dit qu'ils 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 ont Et assumer qu'un béton, mais pas ta gote en de quelque chose, t'en avais pas, donc on a l'année, c'est tout. Et n'a pas de me voir, il faut pas qu'on se rende malade avec ça. Car, n'a rien à voir, y'en n'est de quoi, mais qu'on fait, mais on a tout n'est de quoi, mais on a rien n'est de quoi. Y'en n'est qu'un béton, si bédé, si déveillé à ta justice, si bédé, si déretire, ou quoi, y'en béretire. Y'en béretire, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Hein? Donc voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? S'ils veulent le retirer, ils n'ont qu'à retirer, ça se passe sur eux. Covid m'a et avant tout, Kohore m'a et on y fait yude. Kokambe on a yen nede, Kamaube m'a et on a yen nede, Kokambe on a borna nede. Ene warto to firun don. E ronki na hore men, na famiji men na ene wona yenne de ko kambe don. Ko hakkunde mabbe ton. Est-ce qu'ande kadi ukkitoto? E ukkitoto ko ngati dai be don baybe di don haray ko be gine. Ko probleme mabbe be di don non. Yo be ukkonde do joni acci en sari on gera. Joni no be falira yo yo be gerdo don. Ka. Min ko mi ande tous be retire plainte on haray be joni be occasion yo be arbe yawo be kadi de plus. Parce que arabe ni be falaka sariya o yewadu golle munde joni kambe be wadana hore mabbe golle de joni si be retire plainte jidin fop harabe joni faatu nyelo e solution kanko yo aro porte na be plainte yo aro kado yawo be buri ko wonno be yawade ko lanni en joro to ombe hundu ko jimen din fanke ta wade debaji go acci dembe ton acci dembe ton ndare ko be yata ko joni acci en sariya on gera hakkunde mabbe ton Nyande beronki wakambe tiki be darota. Kambe tiki be darota. Ka, misiki don se be porte te plainte be retirata. Be retirata. E Musa ta goto kati. Ko be yenne teko. Madu se be porte plainte, madu se be portal plainte. Musa ta goto kati. Paske yara ina ene wana yenne de.
Midan de retira le plainte ko inde se ludalende wo be itinder ton. Non, il n'y a rien de flou. Il n'y a rien de flou. Selou Dalem n'a jamais voulu porter plainte contre Fatunier et son frère. Donc, Selou Dalem, c'est un homme de paix. Il veut juste la paix, tout simplement. Il ne peut pas porter plainte contre Fatunier et se mettre devant le juge avec Fatunier. Ils sont incomparables. Il faut savoir ça. Il ne peut pas se mettre face à face. Selou n'a rien à se reprocher. Tout le monde sait que Fatunier le ment. L'accusation qu'elle a faite sur Selou, c'est des mensonges. 100% c'est des mensonges. Si on fait l'enquête aujourd'hui, on va voir que Fatunier l'a accusé entre 3 à 4 fois. Non, la famille n'a pas retiré la plainte. Il faut savoir, il y a eu, je ne sais pas si c'est 3 plaintes, 2 plaintes ou 3 plaintes. On a juste retiré le nom de Selou Dalem. On a juste retiré la plainte où Selou Dalem était mentionné en fait. C'était la plainte que Selou Dalem avait portée, je crois, en 2009. C'est cette plainte qui a été retirée contre Fatunier et son frère. C'est cette plainte qu'ils ont retirée. Ce n'est pas les dernières plaintes qu'ils ont portées dernièrement. Parce qu'il y a 3 personnes de la famille qui ont porté plainte contre Fatunier et son frère. Donc, cette plainte est toujours là. Elle n'a pas été retirée. Voilà. Mais on pense que comme on a levé le nom de Selou Dalem Diallo, on a retiré l'ancienne plainte. On pense qu'on va retirer les 2 autres aussi là-bas. Non? Pourquoi? Même si on retire les 2 autres, normalement, Fatunier le doit répondre à la justice parce qu'elle est en fuite. Hein? Donc, elle est en délit actuellement. Donc, c'est tout à fait normal que ce prenne. Même ça, déjà, elle mérite d'être condamnée. Normalement, ça, elle n'a pas le droit de fuir la justice. Elle a été convoquée, elle n'a pas respecté la justice. Elle doit se présenter. Donc, voilà. Mais que Selou Dalem retire la plainte, moi, je comprends tout à fait. Si la plainte est à son nom, moi, je comprends. Parce que tout simplement, il a travaillé avec leur papa. Donc, ça veut dire qu'il considère Fatunier et son frère comme ses propres enfants. Ça veut dire, lui, il n'a pas la haine contre Fatunier et son frère, malgré tout ce qu'ils ont fait à ce monsieur. C'est par respect de leur papa que Selou Dalem Diallo a fait ça. Par respect de leur papa. Il a travaillé avec leur papa, il a toujours eu le respect pour leur papa. Donc lui, c'est tout à fait normal qu'il enlève son nom dessus, qu'il retire une plainte qui est sur son nom. Il ne peut pas, même moi là, ma copine, avec laquelle je me suis amusée, j'ai passé des bons moments avec, j'ai eu le respect entre moi et elle. Si demain ses enfants se mettent à m'insulter, j'aurais du mal, quoi qu'il arrive, j'aurais du mal à envoyer ses enfants en prison. C'est tout à fait normal. Ils vont arrêter Fatou. Fatou sera arrêté, ça c'est sûr. Quoi qu'il arrive, Fatou sera arrêté. Ça c'est sûr, elle sera arrêtée et jugée. Mais le conseil que j'ai à dire, la famille de Dalem, faut pas qu'il retire les 2 autres plaintes qui sont derrière elle. Faut pas qu'il retire. Franchement, c'est une erreur. S'ils font ça, c'est une erreur. Parce que ça veut dire qu'on ouvre la porte à Fatunier de faire pire ce qu'elle avait fait. Mais ce que Dalem a fait là, moi je comprends. Le temps de Alpha là, c'est fini. C'est en 2009 le temps de Alpha qu'ils ont fait ça. Le temps de Alpha là, c'est fini. Qu'il passe à autre chose. Qu'il laisse les enfants là tranquilles. Voilà. Qu'il laisse les enfants là tranquilles. Voilà, ok. Mais ce que j'ai à dire, qu'on laisse les avocats faire leur travail et la justice faire son travail, c'est tout. Mais personnellement, moi je comprends parce que comme j'ai toujours dit, c'est leur travail avec leur papa, donc il y a toujours eu le respect entre eux. Moi, même vous, est-ce que vous se voyez envoyer les enfants de vos amis en prison avec quelqu'un que vous avez tutoyé, avec quelqu'un que vous avez travaillé avec? Vous êtes toujours entendu. Est-ce que vous se voyez demain si ces enfants, si les enfants de votre ami font des bêtises, vous manquez de respect, vous se voyez prendre ces enfants-là, les envoyer en prison? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc,
On ne peut pas comparer ces Loudalin et Fatou Nyeloué. C'est impossible. On ne peut pas. On ne peut pas les voir devant le tribunal tous les deux. Donc voilà, il y a eu des gens qui sont venus chez lui, ils ont demandé pardon. Donc il a accepté le pardon. Je vais dire, c'est aussi ça. Si vous voyez ces gens-là sont venus chez lui pour lui demander pardon, c'est parce qu'ils savaient très bien que celui n'était pas un mauvais une mauvaise personne. C'était quelqu'un de gentil. Sinon, ils n'allaient pas venir. Qui est venu demander à Alpha Condé pardon pour qu'il libère les autres prisonniers? Hmm? Qui est venu demander à Alpha Condé pardon pour qu'il libère les militants de celui d'Alain Diallo? Parce qu'on savait très bien lui-même, il n'allait pas accepter. Il n'allait pas accepter. Donc, mais c'est un homme de paix. Après tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a subi, il a pardonné. Donc, moi, je comprends. Il ne peut pas demander le pouvoir et puis mettre une femme en prison. Donc, elle a des enfants aussi. Donc, je pense qu'il a fait ça pour son père déjà. Parce que si son papa, il était en vie, si le papa de Fatigné était en vie, je suis sûre, lui, il allait venir chez Loudalin pour demander pardon. Pour demander pardon. Et puis Fatigné n'allait pas faire toutes les bêtises qu'elle a fait là aujourd'hui. OK? Donc, d'un côté, je pense qu'il a fait pour leur papa. Il a fait pour leur papa. Il faut savoir ça. Loudalin a fait ça pour le papa de Fatigné, lui. Il a retiré pour le papa de Fatigné, lui, tout simplement. Il a fait ça parce que c'est les enfants de son ami. Quoi qu'il arrive, il restera ses enfants. Et ça prouve que Loudalin a toujours aimé Fatou Nyeloué et son frère. Il n'a jamais eu la haine. Il n'a jamais eu la haine contre Fatou Nyeloué et son frère. Ça prouve encore une fois. Et qu'il arrive toujours, après tout ce que Fatou Nyeloué et son frère a fait à Loudalin, il arrive toujours à les pardonner. Il les prend comme si c'est ses propres enfants. Donc, il accepte, il pardonne tout. Hein? Voilà. Donc, Fatou Nyeloué, comme j'ai dit, si elle était sortie là même pour demander pardon à cette famille, ils allaient même accepter. Il n'y aurait même pas eu toutes ces plaintes-là contre elle. Mais comme elle se dit qu'elle est mal polie plus que tout le monde là, aujourd'hui, c'est bon. C'est pour cela que moi, je ne défends plus les filles là, sur les réseaux sociaux là. C'est fini. Assumez vos parts de responsabilité. Continuez vos bêtises. Vous allez répondre devant la justice. C'est tout? Vous se prenez pour les plus belles de toutes les femmes guinéennes. Vous se croyez être intelligente. Il n'y a pas plus bête que vous-même. Il n'y a pas plus bête que vous. Vous n'êtes pas intelligente. Une femme intelligente, une vraie femme intelligente, elle se trouve dans son foyer. Elle se trouve dans son foyer avec ses enfants, avec son mari, ses enfants, et son travail, tout. Elle se bat tous les jours pour souvenir aux besoins de sa petite famille. Ce n'est pas celle qui s'assoit ici à aboyer matin, midi et soir. Hein? Ou celle qui se vend sur les réseaux sociaux ici, qui délaisse leurs enfants là-bas. Ou qui délaisse leur mari là-bas. Elle vient montrer leur beauté sur les réseaux sociaux ici. Hein? Ce n'est pas ça une femme intelligente. Une vraie femme intelligente. Elle se trouve dans son foyer. Elle se trouve dans sa maison. Ça, je vous dis, hein? Elle se trouve dans sa maison. OK? Une vraie femme intelligente. Elle se trouve dans sa maison. Voilà. Ce n'est pas celle qui compte sur les hommes, là. Ce n'est pas celle qui attend toujours des autres, là, qui sont toujours là à montrer leur politesse, là, ou je ne sais pas quoi, là, sur les réseaux sociaux. Ça, je vous dis. Tu peux venir t'amuser, tu peux venir faire ton business, tu peux venir sensibiliser, mener tes combats, faire tout ce que tu as à faire. Mais une vraie femme, là, c'est pas comme ces filles-là qui sont en train de faire sur les réseaux sociaux, là. OK? Voilà. Vrai Debo. Imojori Kasoudou Mako. Debo, vrai Dieu. Tigi, 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 tigi. Debo, vrai Dieu. Imojori Kasoudou Mako. Imohilni vi Mako. Imohilni vi famille Mako. Bip Mako. Golle Mako. Imohilni rundon. Imowadeko duha wadeko fok muru. Me o konta e hore hei e goto. Oha boraki goto hay e fous. On fami. Oha boraki goto e nyammi mo goto e okor mo kadi. Ko lakere makonde e holore tout simplement kadi kwa. On fami. O jora ki do kadi ay bingo n'importe ki. Inna bonna e karriere goto. Konu hande nangi be jube. Si wana oda ko oda. Nufala tu bonu go karriere worbe. Nufala tu bonu go adunaji worbe. Pourquoi? On wata yow de da pongole. Hmm?
Wata yo de da pongole. Oyo yo de kelo do a gauche a droite wata da ude modi. You don't joke a word ben boudi facile tu. You don't joke a boudi facile tu, boudi facile tu a gauche a droite. On wata golude, one a robe head tip and phone, one golire no. Awa ono be warbe jombo be. Ono be warbe jombo be. You don't acti robe mom enka churi mo robe immoto be bimbe subaka and ergo jango. Ya golla. Wakilano on, wakilano foye jimonde, wakilano bipe mombeng, akyombe non jokon jube la babe rezo susi on. On li lirte do goto goto. On li lirte do goto goto. Dundo kadimi fenantan. Bay tundo mila, idon wela on harayika. Mo, hono, ane 2022, ko virte go warbe ben yalti. Ane 2022. Fakke rewbe mon be wondo hetu dan rezo sosio jode ayon inni rewbe be holli toto be fop Facebook do be laba buri rewbe mon haddi be gudo ko no jodi ka ciudi mon han no bibbe mun no sonja bimbe kiki de no sonka gosha droite do yo wallita de ben don idon dogude baaw be juube jodi be to maado idon suudi ka chambre e mon idon suudi ka chambre e ton maado ka douche do yewti da juube a gosha droite do wadi code ji ka telephone ji mon gota la yude no konebe jotu de message mon den de yalta so don fala on jatta telephone ji mon den ukon en der sac ha piron kanna bay message den der ton sidi yalti ka telephone don di yeyi ka telephone jogo di yalto e ka réseaux sociaux wona dun dan wadi rido ni aduna la fo jangaydi so don fala on wada code ji rabbe mon ben tawbe wa wata de bloku de benata der ton tawbe wa wata na to de be yi a message ni be furu yata ka telephone ji mon me bay tun yidi yawde ka juube go be esti hono be esti mo don be tawdo no mari valeur buri robe mom ben ka ciudi ko aduna lan fo jangoita din textoji din message di won don abande don juube mi won na don aduna lan fo ko ne bi juute do jango yeydi no no don okay sa hin na ki ko alla okuma ko ojo ne te go dun ko hinno to da facilement bay do mi la robe juube la babe on mi la juube la babe juube dane be dartibe debbo mardo hakkilo mo jodi ka suudu modi makko je vous dis hay sa joga kay fous sa ibe ngama no jodi na parce que wata da ude no ko godi na parce que gorko go faale taake modi debbo ko kani woko kani n'importe qui gorko n'importe qui no way mo dragude on fami hay bumbe be no way be dragude harabe yal be de no way be dragude sabu hito mabbe gontu sa yi mo jodi ka deugal ma mo munyi parce que mo yiduma hay sira okorde mo pidi den temedere ma dum hara fusa lam okorde malgré tout mo munyi e mo jodi do wonde ko parce que mo yiduma parce que debbo kaka foye mako ono non do attitude be non do jokude juube go no do réseaux sociaux ha Allahu akbar. Rabe jomba bebe na fetu be me bay do mila stringoy e do mila mini jipoy de lo ko rabu du koy redu pla hein redu walindu hein en de daride bobe de daride ko don do mila don haray on haray do siku de robe mon be hande si bobi mabbe no loppi ma dun en di mabbe no wali ma dun ma do redu mabbe no jaddi ko fottu mabbe na fottu mabbe de ko paske be jidi e jida nion kala debbo jidi do bandu makko non change automatique kala debbo jidi do bandu makko non change don andi kon non libata en di debbo ko grosse son libata en di debbo na hay muini ngode lande jini ko lobbe be ko be na taw so yi hay debbo mo jombaka par exemple den yandar mi de wode do nya hay ka mi andas ka ka sala so yi hay debbo mo jida ki taw en di makko din des fois yana do ngandi ko fiyono ko parce que tout simplement à partir de maman virgité makko itama on fami no wayir wa sara on gonfli ballon on gonfli mo fami ka e den ko on acciti gonfle go ballon de gonfle to sera ka a wa partir de maman jo ka do de vierjam ko don ka di bandu makko non hono de gonfle ta on fami donc dun kadi libata endi din ko dun jini ko lobbe be natta forcément
ko force walo dago e gorko ko dum hon change ta bande de dempo par exemple li bata yende non ça partir de maman a jombama a wonde e gorko ko non fop mo change ta bande mado non non fo non sigure be jiube churbu be dari be ka yasi ende mabbe yanoita jango ay sibe jida ka sibe jombaka non sigure ko dempo jombado tun ende mo yanata dempo mo jombaka ha hande ende mako yanata ne be jutu de o yanoy be ko ne be jutu de o ando e gorko Donc voilà, dank je rebe mon bé. Ko do andoton, son dank ak rebe mon bé djoube woni be ben ka yasi be li la en réseaux sociaux. Mais fait nan tan. Be li la. Mais do mi la rebe la babe, on hara hika. On hara djoube woni tranquille ka foye djimon nani. Munye. Woni tranquille, yo be yabe drage djoube ben ka yasi.